أهلنا بك هلال سلام عليك رمضان أهلنا بك هلال سلام عليك رمضان. إخواني أخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة زينك تي في. شيخ زامي بونجور et bienvenue sur زينك تي في. Alors une fois pas coutume, nous avons un invité de loin et il est aussi loin. Donc monsieur Lamine Sarr, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors monsieur Lamine Sarr, vous êtes un élu du Sénégal et vous vous trouvez actuellement au Sénégal. Comment ça se passe? Oui, ça se passe plus ou moins bien, comme à l'image de ce qui se passe dans le monde. Nous sommes dans un contexte où véritablement il y a la maladie donc du coronavirus, communément appelée COVID-19, et une maladie qui n'a pas épargné les pays africains et spécifiquement le Sénégal. Alors merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre mail pour vous inviter aujourd'hui, parce qu'on a envie aussi d'avoir un peu la température des autres pays. Alors vous êtes notre premier pays, je dirais, en dehors de la Belgique, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, le Sénégal, dont la capitale, c'est Dakar. Donc, tout le monde connaît le Paris-Dakar. D'accord. La belle capitale Dakar, oui. Pardon? La belle capitale sénégalaise Dakar, je dis bien. Exactement. Alors, le pays se trouve à la côte ouest d'Afrique. Alors, pour les Marocains, donc les Maghrébins, c'est très simple, c'est juste en dessous de la Mauritanie, pardon. Alors, vous êtes frontalier avec la Mauritanie, le Mali et la Guinée. Et les deux Guinées, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Voilà. Donc, vous êtes, effectivement. Avec une enclave à l'intérieur de la République de Gambie. Oui. Voilà. Donc, bien entendu, au sud du Maroc, vous êtes plus ou moins 15 millions d'habitants dans ce pays. Vous allez m'expliquer brièvement, qu'est-ce que le pays produit, quelle est, sa force au niveau économique, est-ce que c'est l'agriculture, est-ce que c'est la technologie, etc. Alors, nous avons aussi été voir un peu dans la presse ce qui se passe par rapport, je dirais, à l'aide humanitaire due à cette grande crise sanitaire. Le pays a octroyé pour près d'un million de foyers, donc ça fait plusieurs millions de personnes, mais plus d'un million de foyers, une aide alimentaire. Il y a aussi les confréries religieuses et des associations qui sont aussi actives sur le terrain. Vous allez m'en dire plus. Alors, dites-moi comment le pays, l'État en lui-même, a fait face à cette crise. Alors, par rapport à la présentation du pays, donc, vous avez dit effectivement que c'est un pays de la zone soudano-sahélienne, n'est-ce pas, qui est à cheval donc, entre la zone sahélienne et la zone soudanaise donc, tropicale. Et ce pays, justement, donc, vit essentiellement d'activités primaires. Et quand on parle d'activités primaires, c'est d'abord l'agriculture et l'élevage, mais aussi la pêche, n'est-ce pas? À côté, bien sûr, il y a donc l'exploitation minière. Et c'est un pays qui regorge effectivement de certaines ressources naturelles. Et je pense que vous avez suivi l'actualité. Dernièrement, il y a d'importantes découvertes qui ont été faites en matière de pétrole et de gaz. Et le Sénégal, très bientôt, va se positionner comme l'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz dans le monde. À côté, bien sûr, il y a l'activité touristique qui était très florissante, bien avant, bien sûr, cette crise-là. Le Sénégal, c'est un pays touristique par excellence, qui regorge donc de ressources extrêmement importantes en la matière, avec 700 km de côte, un soleil qui est tout à fait très ardent, très accueillant, mais aussi une hospitalité légendaire. Mais le Sénégal aussi offre en matière touristique sa culture qui est très diversifiée, qui est très riche, n'est-ce pas, et qui permet donc aux touristes véritablement donc de profiter de tout ce patrimoine. Alors, vous êtes effectivement sur la côte, vous avez une côte de plusieurs centaines de kilomètres. Effectivement, donc la côte, c'est au moins 700 km de côte, donc tout au long de l'océan Atlantique. Voyez, donc il part donc de Saint-Louis jusqu'à la Casamance, où donc nous avons de très belles plages, n'est-ce pas, avec donc un réseau hôtelier aussi très 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 performant. Et le Sénégal véritablement donc accueille un flux important de touristes par an. Quelles sont les différentes confessions, les religions que vous avez sur le Sénégal?
Oui, le Sénégal, c'est un pays à, disons, à 95% de musulmans. 95% de musulmans. Il y a aussi une minorité, bien sûr, donc de chrétiens. Mais ce qui fait aussi peut-être la particularité du Sénégal, c'est justement donc ce dialogue interreligieux, cette symbiose qui existe entre les différentes religions, qui font qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes dans un pays où il fait bon vivre. En réalité, on ne connaît pas ces questions donc d'extrémisme religieux. Donc, tout le monde vit dans la parfaite convivialité. Je Donc, pense que si... il y a un respect mutuel, il y a un vivre ensemble parfait et les minorités sont protégées. On s'entend parfaitement. Toutes les fêtes religieuses, que ce soit catholiques ou musulmanes, sont fêtées par toutes les communautés confondues. Vous voyez dans une même famille, une famille qui partage, où vous trouvez des frères et des sœurs, d'aucuns sont des musulmans, d'autres sont des chrétiens. Je ne vous apprends rien en vous disant que le premier président de la République du Sénégal a été un chrétien, qui dirige donc un pays de 95% de musulmans. Vous voyez, le deuxième président du Sénégal a été un musulman, une femme chrétienne. Le troisième président du Sénégal, la même chose, il est musulman et il a une femme qui n'est pas musulmane. Donc voilà les réalités que nous vivons. Au Sénégal, nous voyons des cimetières mixtes où on enterre à la fois et des musulmans et des chrétiens. Sur ce plan, nous touchons du bois, nous sommes à l'abri de cet extrémisme religieux, donc tout le monde vit effectivement dans une parfaite convivialité, vraiment. Il y a aussi une très bonne relation avec le Maroc, le Sénégal. Ah oui, pour ne rien vous cacher, c'est des relations séculaires qui datent de très longtemps, de Habib Bourguiba avec Léopold Sédar Senghor, n'est-ce pas? C'est des relations qui ont été donc consolidées par les présidents qui ont suivi, le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade et aujourd'hui le président Macky Sall. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a une rue marchande qu'on appelle l'avenue Mohamed V, où on ne touche que des échanges, Le grand-père de Mohamed VI Maroc. aujourd'hui. Absolument, absolument. Entre parenthèses, personnellement, moi j'ai eu le comment l'agent judiciaire, finalement, Hassan Raali, contacte un élu donc du Sénégal. Comment ils se connaissent? Très brièvement, il y a quelques années, on s'était rencontrés à Bruxelles, c'était pendant la Foire du Livre. Donc à l'époque, c'est bien ça. Et donc c'est comme ça que nous avons gardé contact. Et je vous remercie en tout cas de vous n'avez pas changé de numéro. C'est bon signe pour un politicien. Je ne change pas de numéro. Alors, si nous revenons maintenant sur la situation de la maladie au Sénégal, Voilà, vous je me avez dois gardé votre trouver numéro de téléphone. statistiques. La preuve que vous êtes quelqu'un d'actif, c'est que vous avez Ah gardé votre numéro de téléphone et vous ne l'avez pas seulement oui. pendant les élections. C'est un Alors, plaisir, s'il vous plaît. dites-moi comment votre pays a fait face et fait face encore actuellement à cette Et grande crise mondiale sanitaire. d'abord, ce qu'il faut retenir par rapport à la situation actuelle, je vous donne la situation de ce samedi 9 mai 2021. La situation de la maladie au Sénégal. Aujourd'hui, nous en sommes à 1634 cas déclarés positifs au Sénégal. 1634 cas. Et la maladie est entrée pratiquement à partir du 2 mars, plus ou moins au Sénégal. Donc, depuis le 2 mars jusqu'à présent, nous en sommes à 1634 cas. Et aujourd'hui, il y a 83 cas supplémentaires donc qu'on a testé positifs aujourd'hui. D'accord. Et les Alors, décès. par rapport au nombre de patients qui sont guéris, sur les 1634, il y a 643 patients qui sont déclarés guéris, testés négatifs et qui sont rentrés chez eux. Alors, C'est du une point bonne de nouvelle, vue c'est des très bien, décès c'est un maintenant, très bon pourcentage. du point de vue des décès, on déplore pour le moment 15 décès. Combien? 15 décès. Disons que chaque décès est bien sûr très grave. Mais finalement, par rapport à la Belgique, que vous savez, nous sommes vraiment vraiment plusieurs milliers, hein, donc malheureusement. Oui. À l'opposé de l'Occident, il faut dire que l'Afrique, entre de façon globale, est en train de très bien résister à cette maladie-là. On n'entre pas peut-être dans les facteurs qui sont décisifs. On verra tout à l'heure les mesures que les autorités sénégalaises ont prises pour faire face justement, donc en rapport avec la population, pour faire face à cette maladie-là. Alors, donc, Excellent. chaque jour... Les chiffres que vous m'annoncez sont vraiment excellents. Vous savez, la Belgique, maintenant, concrètement, nous avons dépassé les 8 000 décès en 2 mois de temps. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Nous faisons vraiment face à quelque chose de vraiment très, très grave. C'est historique. Donc, ici, comment vous avez
fait pour, je dirais, être dans ces résultats-là qui sont finalement assez positifs? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que très tôt, les autorités, comment dirais-je, politiques, les autorités sanitaires aussi, ont pris à bras le corps la question du Covid-19. D'abord, à commencer par le président de la République, qui, dès la déclaration donc, des premiers cas, a pris une mesure inédite qui consiste à fermer les frontières. Surtout l'aéroport international donc Blaise Diagne a été fermé au trafic aérien, n'est-ce pas? Des mesures donc de cette nature sur les frontières terrestres ont été fermées. Ça, c'est une des premières mesures qu'il a prises. Ensuite, maintenant, on sait qu'en fermant les frontières, il y a des conséquences économiques et sociales qui peuvent accompagner justement cette fermeture-là. Le président de la République a pris, comment dirais-je, a fait un discours à la nation. Au cours de ce discours, maintenant, il a décliné une panoplie de mesures pour permettre effectivement aux Sénégalais de pouvoir faire face à cette pandémie-là. Et cette panoplie de mesures maintenant est contenue dans un programme qu'on a appelé le programme de résilience économique et sociale du Sénégal. Donc c'est un programme de résilience économique et sociale assorti d'un fonds qu'on a appelé le fonds Force Covid-19, d'un montant de 1 milliards de francs CFA. Donc c'est pas moins de 200 milliards bien sûr d'euros en fait. Que le Sénégal a mis en place pour prendre en charge... 200 millions de dollars. En euros. 1 000 milliards de francs CFA vont vous diviser par 656. Voilà, pour avoir le nombre d'euros. OK? 1 000 milliards divisé par 656. Et ça, c'était pour renforcer le système de santé du Sénégal. Mais aussi soutenir nos ménages, soutenir la diaspora sénégalaise, les entreprises et les salariés. Effectivement, la diaspora sénégalaise, elle est nombreuse. On pourra revenir sur cette diaspora-là et les mesures qui ont été prises. D'abord, je pourrais vous dire comment ces 1 000 milliards ont été répartis par l'État du Sénégal dans le cadre de ce fonds. Dans un premier temps, on a pris 64 milliards destinés à renforcer le système sanitaire pour accentuer la riposte contre le COVID-19. 64 milliards de francs. Ensuite, l'État a dégagé 15 milliards de francs pour prendre en charge les factures d'électricité des ménages abonnés de la tranche sociale pour les deux mois pour le bimestre. Et ça correspond à 975 000 ménages dont les factures d'électricité ont été prises en charge par l'État du Sénégal. Ensuite, l'État a dégagé 3 milliards de francs, c'est pour prendre en charge les factures d'eau de la tranche sociale aussi. D'accord? L'État aussi a pris a essayé de dégager une enveloppe de 69 milliards destinée à 1 million de ménages pour des kits alimentaires. Alors, ces kits alimentaires sont constitués de 100 kg de riz, 10 kg d'huile, 10 kg de pâtes et 10 kg de sucre. Nous sommes en période de Ramadan aussi. Le sucre est bien consommé ici chez nous. Oui. Alors, ça, c'est une aide alimentaire et qui est destinée à l'ensemble des foyers qui ont été répertoriés nécessités au Sénégal. Et ce recensement a été fait à partir du fichier national donc, des personnes vulnérables qui existe, mais aussi complété par les élus locaux qui connaissent les réalités sur le terrain dans leurs communes respectives. C'est à partir de ce fichier qui a été consolidé que l'État du Sénégal a pu justement stabiliser un fichier des ménages qui sont bénéficiaires de cette aide alimentaire et c'est pas moins de 140 000 tonnes de riz. Et comment le gouvernement, quelles sont les mesures que le gouvernement a prises pour les PME, pour les petites sociétés, les moyennes et les grandes entreprises, bien entendu? D'abord, concernant les fournisseurs de l'État. Vous savez, l'État travaille avec ces entreprises qui en sont les fournisseurs, en fait. Là, l'État a dégagé une enveloppe de 302 milliards de francs qui est consacrée au paiement des fournisseurs de l'État. Ensuite, il y a 100 milliards de francs CFA que l'État a dégagé spécifiquement pour l'appui direct des secteurs de l'économie les plus touchés.
touchés par la crise. 100 milliards de francs. Les petites et moyennes entreprises, par exemple les restaurants, oui, les cafés. Il y a donc, comment dirais-je, le secteur des transports, le secteur de l'hôtellerie, n'est-ce pas? Mais aussi le secteur de l'agriculture et de la culture même. Parce que vous savez qu'avec la culture aussi est frappée de plein fouet avec, comment dire, par cette crise-là. Absolument, vu qu'il n'y a plus de tourisme. Voilà, l'État a dégagé donc une enveloppe de 100 milliards pour cela. Ensuite, l'État a mis en place un mécanisme de financement à hauteur de 200 milliards de francs qui est accessible aux entreprises qui sont affectées par la procédure. Par la crise. Donc, il y a un effort réel de prise en charge, de soutien, d'appui et d'accompagnement de l'ensemble des secteurs qui sont affectés par la crise. Et par rapport aux emprunts bancaires, par exemple et même par rapport à cela, l'État a décidé de rembourser les crédits de la TVA dans des délais raccourcis. Hein. La taxe sur la valeur ajoutée, donc aux entreprises. Est-ce que les paiements, je dirais, les remboursements mensuels ont été reportés pour un moment pour une durée bien déterminée ou comment vous avez fait? C'est à la limite du fonds qui a été mis en place, en espérant que bien sûr, peut-être dans un ou deux mois ou trois mois au maximum, on n'entendra plus parler bien sûr de cette COVID-19-là. Pour le moment, vous ne savez pas, justement, en parlant du confinement, quelle est votre façon de confiner? Parce qu'ici en Belgique, par exemple, le confinement, il a été total. On ne sort que pour vraiment des choses urgentes, aller chez le médecin, la pharmacie ou faire ses courses. C'était vraiment la limite. Et puis, pour tout ce qui est travail, c'est du télétravail, au maximum. Dans beaucoup de cas. À ce niveau, il faut dire que on n'a pas pris les mêmes mesures que l'Occident a prises concernant justement ce confinement-là. Ici, on ne pourrait même pas parler de confinement parce qu'aujourd'hui, les gens vaquent à leurs occupations. Seulement, il y a un couvre-feu qui a été décrété, mais qui court de 20h à 6h du matin. De 20h à 6h du matin. Ensuite, l'État a interdit les rassemblements. Mais malgré tout, en tout cas tout au début, les marchés étaient restés ouverts. Les mosquées ont été fermées. Les églises aussi ont été fermées pour éviter justement ces grands rassemblements-là. Mais les marchés sont ouverts. Mais les populations ne sont pas confinées dans leurs maisons et interdites de sortir. Non, les gens sortent, c'est juste pour aller faire l'essentiel. Parce que nous sommes dans une économie assez particulière. Dominé par le secteur informel, où les gens vivent au jour le jour. On sort de sa maison, c'est pour vendre quelque chose, mais on vend quelque chose, c'est pour se payer à manger. Et l'État a tenu compte de cette réalité sénégalaise, pour ne pas confiner les gens. Est-ce que les cafés et les restaurants sont fermés? Oui, plus ou moins, en fait, pas totalement fermés, mais aujourd'hui, les gens ont un peu hésitent à aller dans les restaurants aujourd'hui. Pour ne pas contracter la maladie, etc. De sorte que aussi, c'est un secteur qui est frappé de plein fouet par cette maladie-là. Alors, parce que les dégâts sont vraiment moindres, beaucoup moins que chez nous. Est-ce que, par exemple, la population porte des masques? Comment ça se passe? Oui. Récemment, il y a un arrêté ministériel qui a été pris par le ministre de l'Intérieur et qui faisait du port du masque une obligation, en tout cas dans les lieux publics. Partout où on va, donc quand on va vers les lieux publics, on a l'obligation de porter ce masque-là. Dans les transports en commun aussi, on a l'obligation de porter ce masque. Vous voyez? Mais ce n'est pas le masque obligatoire partout et nulle part, non. Mais la population s'est appropriée du port de ce masque-là. Et aujourd'hui, quand vous traînez dans les rues de Dakar, mais tout le monde est avec son masque aujourd'hui. Et donc, c'est ici, quand nous voyons les résultats, en tout cas assez positifs par rapport à d'autres pays et par rapport à la Belgique, par exemple, c'est certainement le fait que les frontières ont été fermées immédiatement. Frontières ont été fermées. Il y a des mesures barrières qui sont suivies par une campagne de sensibilisation, de communication et de sensibilisation et qui a permis quand même aux populations d'adhérer plus ou moins aux différentes mesures qui ont été prises.
Ça, comment, il faut le reconnaître. Comment vous communiquez avec les villages? Il y a quand même pas mal de villages. Absolument, absolument. Oui. Par exemple, si je vous dis, je prends mon cas, les voyages interurbains. Aujourd'hui, on ne peut pas quitter Dakar pour aller dans une ville de l'intérieur sans l'autorisation préalable de l'autorité administrative. Et il faut un motif valable pour qu'on vous autorise effectivement à y aller. Malgré tout, quand même, il y a des gens qui essaient de passer par des canaux détournés pour essayer de contourner tout cela. Mais les forces de défense et de sécurité veillent au grain pour que les gens, effectivement, se déplacent. Malgré tout, on est en contact avec le village. Avec ma commune d'origine, par exemple, récemment, j'ai fait un don assez consistant de matériel antiseptique, voyez, donc de gel hydroalcoolique, n'est-ce pas, de gel madar, etc. C'est pour justement donc permettre à la population d'observer effectivement ces règles d'hygiène. Et vos élus, les élus de tout le pays sont vraiment ah oui. Covid, ça, ils sont en première ligne aussi. Ça, il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Les maires, les présidents de conseil départemental se sont engagés dans cette lutte-là. Et il y a même des gens qui ont dû faire des réaménagements budgétaires pour faire face aux besoins de leur population, en fait. Et à leur grand bonheur, le président de la République a pris une ordonnance pour les habiliter, en fait, pour habiliter les maires, les présidents de conseil départemental et leur bureau pour pouvoir statuer, réaménager donc les crédits pour pouvoir acheter, donc véritablement faire face aux besoins, aux dépenses, en tout cas liées au COVID-19. Et aujourd'hui, les maires sont retournés, comment dirais-je, dans leur commune d'origine auprès des populations pour les accompagner dans la campagne de sensibilisation, dans l'appui, dans l'accompagnement pour qu'elles puissent faire face effectivement à ce problème. Donc tous les élus, majorité et opposition confondues, travaillent la main dans la main en face. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprécier pour le cas du Sénégal. Ça peut être un cas d'école. Les gens ont mis de côté la politique politicienne. Ça, c'est le lieu de s'en féliciter vraiment. Il y a comme une union sacrée autour de l'autorité étatique pour pouvoir faire face à cette maladie-là. Je ne vous apprends rien en vous disant que le président de la République, dès les premiers cas, a tenu des séances de rencontre avec toutes les forces vives de la nation, y compris l'opposition radicale, y compris la société civile, y compris l'ensemble des acteurs de la société civile de façon globale, les religieux. Il a rencontré tout le monde et tout le monde, comment dirais-je, a adhéré justement donc à ce combat-là. Effectivement, en parlant de la société civile, donc la confrérie est très active aussi avec d'autres associations et qui sont là aussi pour l'aide humanitaire. Ils sont assez actifs aussi. Ah oui, là c'est aussi une autre particularité de notre pays. Je vous donne un exemple, la confrérie Mouride, le guide religieux de la confrérie Mouride a sorti une enveloppe de 200 millions de francs pour contribuer à la constitution du fonds de riposte contre la maladie. Et d'autres familles religieuses aussi ont fait preuve de la même générosité. C'est dire que ce combat-là, c'est un combat participatif où tout le monde essaie de prendre part. Donc ces confréries religieuses qui sont très actives au Sénégal sont à l'avant-garde de cette lutte contre le COVID-19. Merci, Monsieur Lamine Sarr. Alors, vous êtes dans la région de Dakar, si je ne me trompe. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Pour la diaspora sénégalaise, parce qu'il y a une question que vous avez posée sur cette question-là. La diaspora sénégalaise. Oui, justement, il y a une question que je voulais savoir un peu. Effectivement, par rapport à la diaspora, ils sont combien en dehors du pays? Et comment est-ce qu'ils retournent au pays? Est-ce qu'ils sont bloqués? Et qu'est-ce que vous faites pour eux, puisqu'ils sont bloqués? Merci de me rappeler. Pour vous dire, peut-être il faut aller vers le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour savoir le nombre exact de Sénégalais qui se trouvent à l'étranger. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas moins d'un million de Sénégalais qui sont à l'étranger, pas moins. Et ils sont sur les 5 continents. Alors, pour vous dire, l'État du Sénégal est tellement conscient de l'importance de la diaspora sénégalaise qu'aujourd'hui, ils ont des députés à l'Assemblée nationale, les députés de la diaspora, qui siègent à l'Assemblée nationale. C'est et dans le cadre du fonds Force COVID-19, le président de la République a dégagé une enveloppe d'environ 12 milliards de francs CFA destinée à l'aide directe aux familles qui sont à l'étranger dans la diaspora.
et peuvent bénéficier de ce fonds les étudiants non boursiers qui sont à l'étranger, les familles des victimes du COVID-19 à l'étranger, n'est-ce pas? Les retraités qui sont à l'étranger, les sans-papiers qui sont à l'étranger. Vous voyez? Donc vraiment, le gouvernement il a soutenu un budget pour tous les Sénégalais, même s'ils sont binationaux, même s'ils ont la double nationalité, par exemple. Mais oui, nous, on ne fait pas de distinction entre le binational et les Sénégalais dans tous les cas. il est Sénégalais dans tous les cas. Maintenant, au niveau des représentations diplomatiques, il y a une plateforme qui a été ouverte et qui permet maintenant aux Sénégalais, justement, de solliciter ce fonds pour en bénéficier, en fait. Pour ceux qui sont dans le besoin. Il faut quand même démontrer que vous êtes dans le besoin. Oui, il doit démontrer qu'ils sont dans le besoin. C'est normal. Effectivement, c'est normal. Donc, avec les pièces justificatives. Et là, maintenant, il y a une somme donc qui est destinée à ces gens-là. Alors, c'est l'occasion, encore une fois, s'il vous plaît, de rendre hommage à cette diaspora sénégalaise. On dit que la diaspora sénégalaise contribue plus que les partenaires techniques et financiers dans le développement du pays. C'est pourquoi ils ne peuvent être ignorés, en fait. Ils constituent la 15e région du Sénégal. Nous avons 14 régions, mais la 15e région, c'est la diaspora sénégalaise. Et elle est représentée au Parlement. Et représentée au Parlement par des députés, n'est-ce pas, qui sont d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, etc. Ils sont représentés au Parlement. Est-ce que les Sénégalais, la diaspora sénégalaise vote aux élections? Ah oui, la diaspora sénégalaise vote aux élections partout où elle se trouve dans le monde. Vote à travers les ambassades? À travers les ambassades et les représentations diplomatiques qui sont à l'étranger. Ça, c'est vraiment très très important. Moi, je suis originaire du Maroc. Le Maroc devrait certainement prendre exemple sur ce point-là, bien que le Maroc aussi a fait face de manière exemplaire au COVID-19. Il est cité parmi vraiment les modèles du monde par rapport à ces actions qui sont finalement proches des vôtres. Hein, proches des vôtres. Il a très vite aussi fermé les frontières, essayer de protéger l'intérieur et aussi ceux qui sont à l'extérieur avec les moyens du bord, bien entendu. Tout à fait. En tout cas, concernant le Sénégal, sur ce plan-là, on se bat très bien. Il y a parfois quand même de petites difficultés, ça et là, ça ne peut manquer. Parfois, les gens n'ont pas le même niveau de compréhension des mesures qui sont prises par l'État du Sénégal. Parfois, il y a donc des résistances, ça ne peut manquer. Mais globalement, on peut dire que le Sénégal s'en sort. Ce n'est pas évident. Le Sénégal, c'est un pays d'Afrique ensoleillé. Les gens vivent plutôt dehors qu'à l'intérieur. Et puis, bon, cette pandémie, elle est historique. Donc, les gens, je pense qu'après les deux mois, je pense que les gens commencent maintenant à s'habituer plutôt à comprendre la gravité de la situation, non? Et à côté, oui, absolument. Et les gens ont compris la gravité de la situation. Nous sommes un pays de contact, une population de contact. Vous voyez? Donc, quand on nous demande maintenant d'observer une certaine distanciation physique, je ne préfère pas le terme distanciation sociale, mais distanciation physique, parce que le Sénégal, la population sénégalaise est une population de contact. Et c'est pourquoi les gens, parfois, ont des difficultés à faire observer certaines règles de distanciation. Mais de façon globale, il faut le retenir. Quand même, les gens respectent les règles et les gestes barrières. L'autre aspect que je voudrais souligner, avec votre permission, c'est le rôle extrêmement important joué par le personnel de santé. Le personnel de santé, n'est-ce pas, dirigé par des professeurs d'université, des professeurs de médecine, mais qui ont fini de faire leurs preuves dans ce domaine-là. Vous savez, le Sénégal a traversé la crise de Ebola, mais merveilleusement, cette expérience a été capitalisée dans la lutte contre le COVID-19. Et aujourd'hui, ce personnel médical est en train de jouer un rôle extrêmement important. Vous voyez le nombre de guéris que nous avons, c'est parce que justement extraordinaire. Oui, la prise en charge sanitaire est extraordinaire. Et à côté, il y a donc le corps médical, mais aussi le corps paramédical, la Croix-Rouge, le service civique national, le service de l'éducation pour la santé. Toutes ces structures se sont mobilisées en réalité pour lutter contre cette maladie-là. À côté, justement, des forces de défense et de sécurité qui assurent donc effectivement la sécurité du pays. Mais merci d'insister sur ce point. J'applaudis, nous applaudissons vraiment avec les deux mains et très fort ces groupes, ces personnes qui sont en première ligne. Maintenant, ici, je ne sais pas si chez vous, vous le faites aussi, mais ici en Europe,
tous les jours à 8h du soir, les gens sortent par leurs fenêtres parce que nous sommes confinés et nous applaudissons, nous essayons absolument de soutenir. À partir des balcons, donc les gens font un klaxon véritable. Vous l'avez vu. Et ça, c'est merveilleux. Et pourvu que simplement, au sortir de cette COVID-19, que le corps médical, le corps de santé soit davantage pris en compte dans les politiques publiques. C'est, je pense que c'est le message à véhiculer à ce niveau-là. D'autre part aussi, hein, ce qu'il faut retenir aussi, nous touchons du bois, jusqu'à présent l'Afrique résiste, le Sénégal résiste, mais la guerre n'est pas encore gagnée. Exactement. Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Et le président de la République, le président du Sénégal, Macky Sall, disait qu'il ne faut pas qu'on baisse la garde. Il faut rester éveillé du moins, il faut rester sur ses gardes et respecter les mesures barrières. Il y a une catastrophe qui est annoncée pour l'Afrique. Jusqu'à présent, cette catastrophe n'existe pas. Et nous pensons que les pays africains seront suffisamment résilients, en tout cas, pour faire face justement à cette maladie-là. Là, quand vous dites ça, vous pensez probablement à une deuxième vague si il y a un déconfinement et que les espaces aériens et le tourisme reprend. C'est là où il y a cette crainte. Oui, effectivement. La question du déconfinement. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, on est en train d'envisager la réouverture de l'école. D'abord, à commencer par les élèves qui sont en classe d'examen à partir du mois de juin, à partir du 2 juin. Le ministère de l'Éducation, en rapport avec les acteurs du système éducatif, sont en train de travailler, n'est-ce pas, pour garantir les conditions de reprise des élèves. Parce qu'on sait que si ces conditions ne sont pas réunies, ça peut occasionner justement donc une contagion en masse des élèves et par conséquent de la société de façon globale. Et c'est pourquoi l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Éducation nationale, le ministère chargé de la formation professionnelle, le ministère en charge de l'enseignement supérieur, plus les acteurs de l'éducation, les syndicats, la société civile, ils sont tous en train de travailler d'arrache-pied pour réunir les conditions d'une bonne reprise effectivement de l'école qui est prévue en principe le 2 juin. Et en rapport aussi avec les collectivités territoriales. Nous, à Bruxelles, enfin, en Belgique, c'est prévu pour le 18 mai. Donc, nous appréhendons ces moments-là. Et nous, enfin, en tout cas, nous essayons de nous y préparer. Monsieur Lamine Sarr, merci beaucoup de Dakar. Oui. Et en direct, vous nous donnez la température, la situation du pays qui se porte bien, malgré tout, cette crise sanitaire mondiale. Donc, nous sommes... nous sommes vraiment très réjouis de savoir que le pays a pensé à tout, a pensé aussi à la diaspora, à sa diaspora. Ouais. Et moi, ce que je retiens personnellement en tant que Marocain d'origine est que la diaspora sénégalaise est présente au Parlement et peut aussi voter de l'étranger. Ça, c'est vraiment très, très important parce qu'il contribue directement dans la société sénégalaise. Le seul problème qui se pose aujourd'hui, c'est peut-être les gens qui sont décédés du COVID-19 à l'étranger et qui ne peuvent pas encore être rapatriés au Sénégal. Ça, quand même, c'est une question. C'est une question qui est assez sensible. Véritablement, et nous avons une pensée pieuse pour toutes ces familles qui sont éplorées, n'est-ce pas, dont les proches ont été donc arrachés à leur affection à l'occasion de ce COVID-19 et qui ne peuvent pas, pour des raisons sanitaires avancées par l'État, rapatrier bien sûr donc leur... Et sinon tout le monde peut être rapatrié, tout le monde peut être rapatrié, sans aucun problème. Oui, absolument. D'accord. En tout cas, pour ma part, je les encourage vraiment et nous partageons véritablement donc cette peine, tout en sachant que peut-être une issue heureuse sera trouvée justement par rapport à ce problème-là. Monsieur Lamine Sarr, merci beaucoup. Vous êtes à Dakar et c'est de Dakar que vous nous donnez toutes ces informations par rapport au pays. Le Sénégal est un beau pays que je n'ai pas encore visité. J'espère que vous allez m'inviter. Mais vous êtes le bienvenu n'importe quand. Venez. Je vous parle totalement à charge. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Salut à toute la Belgique et à Bruxelles, n'est-ce pas? La belle capitale aussi, la capitale européenne. Absolument, la capitale du monde, Bruxelles, c'est de place to be. Merci beaucoup, monsieur Lamine Sarr, élu de Dakar au Sénégal, et à très bientôt. Donc on reviendra probablement au Sénégal. Merci. Salam alaikum. Et bienvenue. En marocain, on dit « sahaf tork », donc bon appétit à la rupture du jeûne.
Allez, merci à vous pareillement. Bonjour à votre gouvernement et surtout aux premières lignes, le corps médical, tous ces gens qui sont là pour assurer, je dirais, absolument, que cette crise se passe bien. Le corps médical et un hommage particulier à tout le peuple sénégalais, franchement. Merci. Chers amis, voilà, donc merci d'avoir été parmi nous. Ikhwani Akhwati, choukran l'écoute ma'ana et Zineka TV. Et encore une fois, je salue notre ami. Aujourd'hui, vous êtes notre ami et notre représentant du Sénégal, M. Lamine Sall. Salam alaikum. العالمين أنزل القرآن أهل بك يا هلال سلام عليك يا رمضان أهل بك هلال سلام عليك يا رمضان.